Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour cette conférence organisée donc dans le cadre de la fête de la science. Alors vous êtes peut-être venus participer en tant que, j'ai vu quelques scientifiques qui ont pu venir en tant qu'intervenants au cours du week-end ou en tant que public participer à cette 32e édition de la fête de la science, donc qui est coordonnée à l'échelle du Finistère, donc ici par Océanopolis. Et en plus du village des sciences, donc qui est un des temps forts de ces 2 semaines de fête de la science. N'hésitez pas, en repartant, il y a un petit programme à l'entrée. Vous trouverez là aussi plein d'événements qui sont proposés dans les jours qui viennent. D'autres villages des sciences qui sont aussi organisés à Morlaix ou encore en presqu'île de Crozon. Donc plein d'événements à l'échelle du territoire pour apprendre plein de choses donc sur les différents domaines scientifiques. Et dans le cadre de cette fête de la science, on souhaitait aussi donc vous proposer une conférence en lien direct avec la thématique de l'année. Chaque année, il y a une thématique pour la fête de la science. Et cette année, dans la lumière, bah, je vais me mettre dans la lumière si c'est en plus. Merci Marie. Et en plus, donc, cette année, c'était la thématique donc sport et science. Et on a pu le voir justement avec beaucoup d'interventions au cours du week-end que justement, on a tendance souvent à avoir ces deux choses assez lointaines l'une de l'autre, alors qu'on peut faire beaucoup de sport en faisant des sciences et beaucoup de sciences en faisant du sport. Et c'est ce qu'on a pu voir. Et c'est ce que l'on va voir aussi finalement ce soir, puisque derrière justement cette très belle discipline que l'on va découvrir ou que vous allez voir donc ce soir, et bien justement, il y a beaucoup de sciences. Il y a beaucoup aussi finalement autre chose qui va bien au-delà et qui est très importante, c'est aussi tout ce qui est aspect sensible finalement. Je pense que pour beaucoup, si certains sont apnéistes dans la salle, il y a vraiment une notion de se rapprocher le plus possible de la nature et de l'environnement et de l'océan via cette pratique. Et je suis sûr que via justement le film qui va être présenté ce soir et via les échanges que nous aurons grâce, donc, et on les remercie, aux différents intervenants qui sont avec nous ce soir, nous pourrons découvrir tout cela. Donc encore une fois, merci pour votre participation. Et à présent, je vais laisser la parole à Marie, donc, qui organise cette soirée. Merci. Merci Tristan. Et puis on va aller du coup commencer. Alors avant la projection que vous attendez certainement, commencer par présenter un petit peu les intervenants de la soirée. Alors, je vous invite, donc Marie et François qui sont là. Et puis en ligne, nous avons également Frédéric Lemaître. Alors vous allez pouvoir prendre chacun un micro et on va pouvoir du coup vous demander un peu de vous présenter. Alors on doit pouvoir voir, je pense, Frédéric Lemaître qui est en ligne avec nous. Et j'aimerais qu'on commence cette présentation peut-être par Marie Schirer. Alors donc vous êtes sociologue, si je ne me trompe pas, vous êtes de l'université de Nancy en Lorraine. Normalement, ça va fonctionner. Vous êtes également auteur, autrice, auteur d'un livre, S'immerger donc en apnée. Alors, si je ne me trompe pas, il y a un sous-titre, Culture motrice et symbolisme aquatique. Voilà, exactement. Alors, Tristan l'a dit, hein, donc, c'est l'apnée, c'est s'immerger donc, dans l'océan. Donc, il y a des contraintes qui sont physiques, mais il y a également tout un côté social et culturel dans la pratique de l'apnée. Et j'aimerais bien que vous vous présentiez donc à l'audience qui est ici avec peut-être une anecdote ou un peu un souvenir, parce que bah, vous l'avez tous entendu, vous êtes de l'université de Nancy, c'est un peu loin de la mer. Oui, c'est étonnant. Alors, voilà. Et comment est-ce que vous êtes venu du coup à ce monde de l'apnée? D'accord. Merci pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour l'invitation aussi. Je suis ravie d'être là. Donc oui, comment je suis... Une anecdote ou comment je suis venue à l'apnée? Je pense que je vais vous expliquer ça rapidement. Et ça va partir finalement de ce que tu as dit à l'instant, c'est-à-dire que l'apnée, c'est un rapport finalement à l'environnement et c'est un rapport à l'eau aussi. Et en fait, moi, je suis partie, quand j'étais étudiante, je suis partie faire ma thèse sur l'île de la Réunion. Et je ne m'intéressais pas à l'apnée à l'époque, mais je m'intéressais aux pratiques aquatiques, aux usages de l'eau. Et je voulais analyser finalement la diversité des pratiques aquatiques sur l'île de la Réunion. Et donc, je suis partie avec mon sac à dos et j'avais mon directeur à Strasbourg, j'avais un directeur sur l'île de la Réunion. Et donc, je suis allée à la rencontre des pratiquantes et des pratiquants, puis également des gens des hauts qui, justement, n'ont aucun contact avec l'eau, avec la mer, qui pourtant sont insulaires, mais pour diverses raisons, sont plutôt dans un rapport très distancié à l'élément aquatique.
Et donc, j'ai rencontré des chasseurs, des chasseuses, des plongeurs. J'étais plongeuse moi-même. Et puis, des apnéistes. Et ces apnéistes, petit à petit, ben, j'ai sympathisé. Il y avait une petite communauté d'apnéistes là-bas, à La Réunion. Alors, ça date un peu. Hein, c'était les années 2000. Donc, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. Il y avait une petite communauté d'apnéistes qui était très, très sympathique, avec lesquelles, finalement, ben, j'ai démarré curieusement à La Réunion dans une toute petite piscine qui était la piscine d'un kiné. Donc, on imagine une petite piscine très chaude, un petit cocon. Ouais, quasiment. C'était très, très agréable. Et voilà, et finalement, l'apnée, je l'associe déjà à ce premier moment, cette première découverte. C'était pas de l'exploration du milieu marin, c'était au contraire une exploration plutôt intime, mais en même temps accompagnée avec de la bienveillance. Et puis, si vous êtes apnéiste, ou ça va peut-être vous donner envie de l'être, finalement, c'était cette découverte de cette immersion dans ce milieu qui enveloppe, qui soutient, qui nous fait bouger très doucement. Et en même temps, c'était la découverte de mes capacités aussi, parce que finalement, ce qu'on voit très vite en apnée, quand on s'y intéresse un peu, c'est qu'on progresse assez rapidement au début, parce qu'on a tous des capacités assez incroyables. On a tous des capacités à retenir son souffle au moins 3 minutes. Et donc voilà, si je ne veux pas être trop longue, ma rencontre avec l'apnée, c'était donc dans cette petite piscine. Et ensuite, évidemment, La Réunion, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler après. Alors, si je peux me permettre, François, une petite remarque, c'était un peu les bébés nageurs. Et c'est marrant parce qu'on retrouve un peu, quand on parle de l'apnée, une notion un peu de revenir à cet état presque fœtal, hein, dans le liquide amniotique. Et ce que tu disais, du coup, d'être enveloppé, porté, ça rappelle un peu cet état. Donc, c'était une remarque qui était assez, assez pertinente. Alors, nous avons un autre apnéiste, du coup, qui est en ligne. Alors, qui est lui aussi évidemment donc versé dans les sciences. Il s'agit de Frédéric Lemaître qui est en ligne. Vous nous entendez bien ? Ça résonne un peu, mais je vous entends. Bon, et ben du coup, ben, merci d'être en ligne. Alors vous êtes un peu plus proche de Brest, vous êtes donc à Rouen, et vous êtes physiologiste plutôt de formation, et vous pratiquez l'apnée sportive, alors même on peut dire à plutôt très haut niveau. Et du coup, pareil, pouvez-vous éventuellement vous présenter à l'assistance avec peut-être une anecdote aussi, un souvenir lié à votre pratique, alors pratique plus actuelle ou premier souvenir d'immersion en apnée sous l'eau. Alors, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Désolé de ne pas être présent physiquement, c'est toujours plus agréable, mais j'avais pas trop le choix. Le plus lointain souvenir, mais en fait, moi, je suis un petit peu un bébé nageur réellement. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents, mon père qui faisait de la chasse sous-marine, qui était plongeur, qui était professeur de sport dans l'armée, et ma mère qui était plutôt côté montagne. Donc, j'ai eu les deux loisirs en fait, mais j'ai toujours passé mon temps dans l'eau, sous l'eau, pour toutes les vacances et pour la plupart de mes loisirs. Je suis plus trop apnéiste de haut niveau, j'ai arrêté les compétitions, j'en fais plus en loisirs et plus en formation. Voilà, et puis j'ai un peu partagé, un peu croisé, on va dire, mes passions entre l'apnée, mes formations, puisque je suis aussi instructeur, et puis mes recherches. Voilà, ce qui me fait un regard croisé dans mon approche de chercheur et d'apnéiste, et les trois pôles s'autonomisent. Et donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rouen. Merci, merci beaucoup. Alors, vous travaillez plutôt sur tout, je crois, ce qui est un peu stress hypoxique. Hein, quand on est en apnée, on ne respire pas, il se passe des choses dans notre corps. Alors, peut-être on en parlera juste après la projection, parce que j'aimerais introduire le dernier intervenant de cette soirée, alors qui n'est pas apnéiste, mais qui s'immerge aussi sous l'eau. Il s'agit de François Guerrero, qui fait beaucoup de plongée bouteille, et qui est aussi physiologiste du coup au laboratoire Orphi, du coup à l'UFR Sciences et Sports de l'Éducation. C'est ça. Alors pareil, alors peut-être pas un souvenir, une anecdote liée à l'apnée, mais peut-être généralement à l'immersion. Qu'est-ce qu'on va chercher sous l'eau ? Comment est-ce que vous êtes venu aller sous l'eau ? À la plongée. Bizarrement, j'ai commencé par l'apnée et après je suis parti à la plongée, en fait, avec des parents qui sont nés au bord de la mer, qui ont fini par émigrer à Lyon, donc qui étaient malheureux là-bas.
mais qui profitaient pour aller au bord de la mer chaque fois qu'ils en pouvaient. Donc on passait tous nos étés au bord de la mer, et tous les étés, gamins, c'était de l'apnée, et c'était de la cueillette et de la similichasse, comme on fait quand on est gamin. Et puis un jour est arrivé Cousteau, et puis l'odyssée du commandant Cousteau qui passait le samedi soir, et voilà, et j'ai l'habitude de dire que je fais partie de la génération Cousteau. Ça a été la plongée, et puis l'apnée de moins en moins, et la plongée de plus en plus, et puis des études, et puis enfin la progression dans la plongée jusqu'à devenir là aussi instructeur. Et puis un jour, j'ai trouvé une formation à la sortie de la licence de bio, un DEA qui était sur la physiologie de la plongée. Donc je me suis dit, il y a quelqu'un qui me connaît, qui a fait une formation exprès pour moi, c'est gentil. Je suis parti là-dedans, et la thèse, et puis ensuite tout ça sur la plongée profonde, c'est l'époque de la COMEX, les dernières plongées de la COMEX, profonde. L'intégration d'un labo, et comme Frédéric Lemaitre tout à l'heure, j'ai l'immense chance d'arriver à concilier ma passion, mes recherches, mon métier, et je continue avec la plongée. Et bon, je suis un peu l'intrus dans l'histoire, mais ça reste sous l'eau. Et ce qui m'a séduit toujours avec l'apnée, et puis ensuite encore plus avec la plongée au début, ça se perd un peu avec l'habitude. Les plongeurs, je pense, reconnaîtront ça. C'est le milieu marin, c'est un autre monde. C'est un autre espace-temps plus qu'un autre monde. Et en fait, le temps passe pas à la même vitesse. L'espace n'est pas organisé de la même manière. Et on a vraiment l'impression de passer dans une autre dimension, quoi. Et ça, c'est toujours une expérience qui est extraordinaire, dont on se passe jamais. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, les similitudes justement de cette expérience de ce monde dans le monde, hein, un autre monde, que ce soit en apnée ou en bouteille, peut-être quelques différences. Et puis évidemment, si après la projection des échanges avec le public s'engagent, il y aura peut-être parmi l'assistance des gens qui font de la plongée, et puis il y a peut-être aussi beaucoup de plongeurs bouteille qui se posent peut-être aussi des questions sur est-ce que les expériences sont les mêmes ou sont vraiment différentes, et est-ce qu'il faut choisir son camp? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on choisit entre la plongée bouteille ou l'apnée? On en parlera peut-être tout à l'heure. Je vous propose du coup qu'on passe à la projection du film. Alors François et Marie, je vous invite à aller vous asseoir là-bas. Et alors le film qu'on va vous passer, c'est un film qui est un petit peu particulier. Il a été tourné et réalisé en apnée. Alors pas à La Réunion, pas à Marseille non plus, où les conditions sont plus sympas, mais du côté de Belle-Île. Alors, nous allons avoir la chance de voir un film qui n'est pas diffusé ailleurs qu'à Belle-Île. Belle-Île, c'est aussi un petit monde dans le monde. Alors, si vous voulez le voir, après le découvrir là-bas, il est diffusé à la Maison du Littoral. Et donc là, on va pouvoir le voir ici sur grand écran. Et puis ensuite, on reviendra avec François, avec Frédéric et avec Marie pour parler un petit peu de ce film et puis peut-être amorcer des échanges autour de l'apnée. Je vous souhaite une bonne projection. Nos réalisateurs du film nous font l'amitié d'être dans la salle. Je ne les vois pas. Ils sont cachés. Il est là. Ils sont là tous les deux. Alors, oui, moi, je tenais vraiment à saluer leur travail. Alors, tant sur la prise de vue, donc Ariel Delebecq et Axel Casters, qui sont les deux réalisateurs du film, du collectif Les Tempestaires, qui ont pris toutes les images que vous avez vues en apnée et en lumière naturelle. Je pense que c'est assez rare pour le souligner. Et puis aussi saluer le travail quand même de composition musicale, qui est une partie intégrante de l'œuvre, qui est un mélange de sons pris en captation sonore sous l'eau. Mais oui, on va récupérer Fred également. Mais également des sons qui ont été rajoutés dessus. Et ça, je trouve que ça... Avant de vous donner la parole, quand on voit ce film, on retrouve un peu ce que disait François, on voyage dans un autre monde. Alors il y a un petit peu un côté inquiétant dans l'ambiance, des fois on ne reconnaît pas certaines espèces qu'on connaît, alors certaines on les connaît bien, et d'autres on voit des morceaux avec des angles de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir et on ne les reconnaît pas forcément, et on dirait un peu des extraterrestres quelque part. Et il y a aussi cette notion un peu, ce que disait Marie, mais même François aussi, sur cette suspension dans le temps, et une suspension également physique. Alors, je voudrais donner la parole alors soit à Marie, soit à Frédéric, qui est en ligne avec nous. Peut-être pour, en tant qu'apnéiste, pratiquement de l'apnée, est-ce qu'en regardant ce film, vous avez retrouvé
des sensations. Quand vous vous immergez sous l'eau, en apnée, bah, cette fameuse suspension de la respiration, suspension physique et suspension dans le temps, est-ce que ce sont des choses que vous avez retrouvées ? Moi, c'est une question qui, je pense, est intéressante à vous poser. Oui, c'est une vraie expérience, en fait, de voir ce film. C'est difficile d'en parler après parce qu'on intellectualise un peu alors que le but, c'est de le vivre. Et effectivement, dans le ressenti, il y a ce mouvement, il y a cette lenteur. J'adore les plans justement très lents au milieu des algues. On a juste envie de les toucher ou qu'elles nous touchent. C'est le principe aussi du milieu aquatique. Hein. On le touche et nous touche en retour. On est là-dedans. Cette lumière aussi, la lumière naturelle et donc cette ambiance un petit peu mystérieuse, c'est quelque chose qu'on ressent quand on commence à... J'allais dire quand on commence à descendre, mais pas forcément en fait. S'il y a des nuages, tout simplement, on est aussi dans cette ambiance-là. Et les sons, quoi. Les sons, alors je ne sais pas comment appeler la musique, les sons, la bande sonore, en tous les cas, toute cette construction qui est faite, c'est une vraie synergie en fait, entre les images et les sons. Il y a quelque chose en plus finalement qui émerge. Et quand on est aussi en apnée, on en parlait tout à l'heure, en apnée par rapport à la plongée bouteille, je suis aussi plongeuse bouteille. On a ce plaisir d'être dans le silence et pouvoir encore plus entendre tout ce qui nous entoure, cet environnement sonore qui est aussi incroyable et qui nous enveloppe. Je ne sais pas si Frédéric a pu ressentir la même ambiance en ligne. Est-ce que vous voulez bien prendre un peu la parole et nous dire aussi si vous avez pu ressentir un peu ces mêmes sensations quand vous vous immergez sous l'eau? Oui, effectivement, ce que dit Marie est vrai. On ressent un petit peu une partie de ce qu'on a vu. Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais quand on s'immerge, c'est tout sauf le monde du silence, en fait, que décrivait Cousteau. Le milieu sous-marin, il est vraiment bruyant, même parfois très, très bruyant. Les poissons, ils parlent entre eux, les animaux communiquent et... quand on est en apnée et qu'on arrête sa respiration, qu'on n'est plus gêné par le bruit, les autres bruits terrestres, on va dire, on arrive à bien se focaliser sur tous ces petits bruits si on y porte attention. C'est un peu ce que j'ai retrouvé dans les plans, les plans tout doucement qui étaient vraiment très très lents, ou alors les plans pris de dessous où on voyait la surface. Ce que j'aimais bien faire quand j'étais petit, c'était regarder un petit peu me poser au fond et puis je regardais la surface. Donc ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et j'ai compris qu'on n'était pas dans le Pacifique Sud, par contre. Ah non, là c'est sûr, hein. on est à Belle-Île, alors on va pouvoir le dire plusieurs fois, on est à Belle-Île hein, avec ce film, et qui montre bien aussi, alors on c'est le Sud, c'est le Sud par rapport à Brest. Alors on parlait aussi avec François tout à l'heure d'aller observer le milieu marin, le monde marin, toutes les espèces, et là on voit qu'il y a quand même une richesse alors animal, mais pas que, il y a beaucoup de végétaux très très différents. Je tiens à le souligner parce que souvent on oublie les végétaux sous-marins et il y en a quand même un sacré paquet. Et je pense que l'intervention de Frédéric et également de Marie, après je donnerai la parole à François, doit faire un peu plaisir à Axel et Ariel parce que pour avoir discuté avec eux, je me permets de faire votre porte-parole. Vous avez un peu évoqué tout à l'heure le fait qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'exprimer ce qu'on ressentait sous l'eau. Et là, on l'a vraiment ressenti, je trouve. Il y a à la fois les images, mais il y a toute l'ambiance. Et le fait que vous en parliez aussi, toi, Marie et Frédéric, du coup, à Rouen, eh ben, ça confirme bien ces différentes sensations-là. Alors, François, donc, du coup, on est sur la plongée bouteille, mais est-ce que tu as pu retrouver des sensations aussi ? Oui, il y a cette lenteur dans les mouvements, ce côté paisible des mouvements, même si la musique n'est pas toujours... la musique est parfois... Mais bon, de ce qu'on en a discuté, c'est fait exprès. Donc, mais oui, j'ai retrouvé cet aspect... ça va doucement, ça va... On a l'impression que le temps arrête de s'écouler. Et ça, c'est vrai visiblement en apnée, mais c'est vrai aussi en plongée. Même si quand on commence à encadrer, on le perd parce qu'il faut tout gérer. Et que là, on peut plus se permettre de faire abstraction du temps et de la profondeur. Quoi. Ce que visiblement en apnée, vous pouvez continuer de faire. En tout cas, il y a peut-être une chose, c'est qu'on re-regarderait bien le film une deuxième fois pour retrouver des sensations. Et puis aussi, je suis sûre qu'on verrait d'autres espèces un petit peu différentes. Alors,
On parlait un petit peu tout à l'heure de cette soirée, donc science et sport. Et j'aimerais qu'on aborde un petit peu, un peu les notions un peu scientifiques autour de la pratique de l'apnée. Et j'aimerais bien, Frédéric, alors évidemment, François et Marie, vous pouvez intervenir tout au long de ces échanges, que vous nous parliez un petit peu quels sont les impacts physiologiques sur le corps. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on s'immerge, en fait, parce qu'on est dans un milieu très différent. On est des animaux terrestres. Et là, on retourne à l'eau. Et donc, il y a la pression. Il y a le fait de retenir sa respiration. Il se passe plein de choses. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Ah oui, je vais faire un court résumé. Alors, malheureusement, on reste des mammifères terrestres. Mais quand on va se mettre en apnée, déjà, on va retenir sa respiration. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est la seule fonction qu'on est capable d'arrêter, la seule fonction physiologique, on va dire. On n'est pas capable de dire à notre cœur, arrête de battre. On n'est pas capable de dire au foie, arrête de traiter mes aliments, etc. Donc, par contre, on est capable de suspendre sa ventilation. Et c'est la seule fonction un peu qui, par la conscience et aussi inconsciemment parfois, peut être suspendue. Et quand on va suspendre sa respiration, quand on va se mettre en apnée, on va déclencher un réflexe qui va nous accompagner pendant la plongée. Et le but de ce réflexe final, ça va être d'économiser la quantité d'air. C'est-à-dire que l'organisme se met en mode économique, tout simplement. Et il se met en mode économique en ralentissant le rythme cardiaque. Ce qui permet au cœur de consommer moins d'oxygène. Le cœur est un gros consommateur d'oxygène, comme le cerveau d'ailleurs. Il est oxygénodépendant. Et une partie du sang est redirigée vers justement ces organes qui sont oxygénodépendants, tels que le cœur et le cerveau. Et ces deux mécanismes, principalement, il y a plein de petits mécanismes connexes, mais on va accompagner l'apnéiste au cours de son apnée et lui permettre d'économiser sa quantité d'oxygène. Et si vous avez un apnéiste qui est bien entraîné en apnée, qui a une bonne flexibilité thoracique et des gros poumons, il a un gros réservoir et ne consomme pas beaucoup. Donc, on comprend facilement que grâce à ça, on va aller très, très loin ou on va rester plus longtemps sous l'eau. Alors, justement, le temps d'apnée moyen pour quelqu'un qui n'est pas entraîné et quelqu'un qui s'entraîne, ça peut aller jusqu'à combien de minutes? Ça se compte en minutes? Ce qu'on peut en heure. Oui, alors le record du monde officiel, on va dire homologué en apnée statique, il est de 11 minutes 35 sans bouger. Et après, combien on peut tenir de minutes sans respirer, même si on ne fait pas d'apnée, on peut tenir de quelques secondes à plusieurs minutes, comme l'a dit Marie. Moi, j'ai déjà vu des gens dans les clubs qui arrivaient, qui n'avaient jamais fait d'apnée, et puis que dès la première séance, ils arrivaient à faire 4 minutes ou 5 minutes. C'est pas si rare que ça, quoi. Mais la majeure partie des gens peuvent retenir leur respiration une trentaine de secondes ou une minute. Et si vous y réfléchissez, c'est des fonctions qu'on fait régulièrement. Des fois, sous le coup de l'émotion, on retient sa respiration, par exemple, ou quand il y a des chocs thermiques, on a tendance à bloquer sa respiration, quand on soulève des charges aussi. Donc, c'est une situation assez physiologique, d'après. Et c'est d'ailleurs un très bon modèle scientifique. Et dernière question, peut-être avant de donner la parole aux autres intervenants. Donc, on retient sa respiration. Donc, de ce fait, le rythme cardiaque ralentit. Donc, un être humain au repos, c'est quoi? C'est entre 60 et 80 pulsations minute à peu près. Et alors, un apnéiste, par exemple, vous, dans votre cas, quand vous faisiez de la compétition, vos pulsations en plongée en apnée, je pense que vous avez dû les mesurer et les connaître. Vous étiez capable de descendre jusqu'à combien, qu'on se rende compte un petit peu de cette différence? Oui, alors vous allez souvent entendre les apnéistes, les champions qui disent « Ah, mais moi, je descends à 3, 4 battements par minute. » Alors ça, j'ai mesuré à peu près… j'ai mesuré pas mal de champions à peu près partout sur la planète et je n'ai jamais trouvé ça. C'est ce qu'on observe plutôt chez certains mammifères marins. Nous, on est bien des mammifères terrestres. Donc, globalement, le plus bas que j'ai déjà mesuré, c'est 30-35.
entre 30 et 35 sur des apnées de plus de 7 minutes, entre 7 et 9 minutes. Voilà, donc c'est des bradycardies qui sont très très fortes et qui sont liées à l'entraînement, puisque le réflexe de plongée dont je vous ai parlé, en fait, plus on s'entraîne, plus on le stimule et plus on est économique et donc bradycardique aussi. Donc ça a des conséquences aussi sur le corps. Marie, allez, vas-y. Oui, et on observe aussi pas mal d'apnéistes en compétition qui font ce qu'on appelle le no warm-up, c'est-à-dire qu'ils veulent maximiser justement ce diving response, cette bradycardie, et donc ils s'échauffent à sec pour faire leur performance one shot, quoi, leur performance dans l'eau et maximiser ce réflexe sans s'être immergé avant. Alors là, on travaille ça aussi, les apnéistes, effectivement. Quoi. Alors là, on parle un peu de performance, puisqu'on a parlé aussi d'apnée statique. Alors là, c'est vraiment la pratique sportive, mais tu l'as dit tout à l'heure, l'apnée, c'est pas que ça. Il y a aussi l'apnée, il y a beaucoup de dans les préparations, de yoga, de méditation, d'exercices de respiration, qui sont aussi des préparations mentales, finalement. Et justement, dans le recueil de travaux que tu as dirigé quelque part ou que tu as pu collecter, il y avait beaucoup de travaux sur les cultures, la sociologie autour de ça et sur ces différents aspects de la pratique de l'apnée qui ne sont pas que justement la recherche de la performance, mais également un voyage intérieur, une communion avec un milieu qui n'est pas le nôtre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Les médias ont eu souvent tendance finalement à rapprocher l'apnée d'une performance sportive, d'un dépassement des limites, d'être extraordinaire, qui justement vont au-delà de ce que l'on peut penser possible pour l'être humain. Donc c'est des choses qu'on a très souvent en tête, ça, et puis finalement les accidents aussi. Il y a eu toute une période, la période post-Grand Bleu, où on était sur ce type de médiatisation, puis ensuite... Je vais rester un tout petit peu sur le côté médiatique de l'apnée. Il y a justement quelques apnéistes qui ont voulu donner une autre vision de cette apnée, une vision un peu plus esthétique. Je pense par exemple au couple qui était formé par Julie Gauthier et Guillaume Néry. Donc Julie Gauthier filmait également en apnée. Et l'enjeu pour eux, c'était de montrer que l'apnée, ce n'était pas que ça. Ce n'était pas juste finalement une lutte contre soi-même pour... réaliser des performances, mais c'était aussi... alors, Guillaume Néry aimait beaucoup parler, notamment dans Free Fall, de cette chute libre, donc de ce jeu avec ses sensations, de cette sensation de vertige. Donc oui, l'apnée, c'est aussi ça. Et j'aime bien, moi, pour parler de l'apnée, paraphraser Guillaume Leblanc, qui a travaillé, lui, sur la course à pied. Et il nous dit que finalement, alors, si on transfère sur l'apnée, c'est une tentation pour être à la fois au-delà de soi, mais également en soi. Et donc l'apnée, certes, c'est performer, réaliser finalement, dépasser ses limites, ou en tous les cas essayer d'aller le plus loin possible, le plus longtemps possible. Mais c'est aussi et surtout une quête intérieure, une connaissance de soi que l'on va affiner. Et puis aussi la découverte du milieu. Donc c'est vrai que dans mes travaux, j'ai pu montrer que finalement, il y avait différentes logiques que l'on pouvait retrouver dans les pratiques d'immersion, notamment en apnée. Donc une logique plutôt de maîtrise, de domination du milieu marin, et puis une logique plutôt orientée vers l'exploration du milieu, mais l'exploration de soi. Une logique autour du ressenti, et le travail des sensations corporelles, c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré et qui me tient à cœur, parce que finalement, pour progresser en apnée, il faut apprendre à s'écouter. Et puis la logique de fusion, fusionner avec le milieu aquatique. Alors ça se mêle en même temps avec des imaginaires, mais c'est vrai qu'il y a... Dans les recueils, dans les échanges que j'ai pu avoir avec des apnéistes, on est beaucoup finalement sur l'idée de se sentir molécule parmi les molécules. D'autres qui évoquent le fait que en apnée profonde, on touche plus son corps, et en revanche, on sent le milieu qui nous entoure, qui nous enveloppe. On sait très bien que dans ce milieu, il ne faut pas lutter, il ne faut pas se crisper, mais il faut se laisser finalement envelopper par l'élément aquatique, et donc se sentir au milieu d'un tout, quoi. Donc on a l'imaginaire qui se greffe à des sensations qui sont réelles, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et on ne sait pas qu'est-ce qui renforce l'autre. Est-ce que l'imaginaire renforce les sensations ? Est-ce que les sensations vont alimenter les imaginaires ?
Et en tant que plongeur bouteille, toujours ça. Non, alors on va faire ça et après on parlera d'autre chose. Mais du coup, par rapport à ces sensations qui sont décrites par Marie et par Frédéric, est-ce que ce sont, est-ce que tu t'en sens proche ou Bonne question. Bonne question. Il y a, alors ça, je parle pour moi là, c'est à titre parce que ce sont des. Il y a toujours du personnel là-dedans et du ressenti très subjectif. Non, en bouteille, il y a moins cette fusion. Peut-être parce qu'il y a tout le matériel autour. C'est vrai que, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est bon, en plongée bouteille, on est quand même des gros lourdeaux, il faut quand même reconnaître. Avec du matériel sur le dos, avec du matériel devant, avec du matériel autour, et avec plein de bruit avec les bulles. Donc il y a moins cet aspect monde du silence, même si c'est vrai, je suis d'accord, c'est pas très silencieux. Il y a moins cet aspect-là. Donc autant il y a cet aspect d'apesanteur, même si c'est pas une vraie apesanteur, mais il y a cet aspect d'apesanteur, mais il y a moins cet aspect fusion où il est moins marqué en tout cas. Enfin, pour ce que moi je ressens, c'est comme ça. Par contre, c'est vrai qu'on est en 3D, quoi. Ça existe aussi dans l'apnée, c'est une vraie expérience. Oui, puis ce voyage un peu dans un autre monde. Alors Marie, toi, tu peux vraiment comparer les deux, puisque tu as pratiqué l'apnée et la plongée bouteille. Tu as commencé par la plongée bouteille. Oui, j'ai commencé par la plongée bouteille. J'ai fait un peu d'apnée pour passer mon BNSSA, mais ce n'était pas forcément les meilleurs souvenirs, donc pour le sauvetage. Et oui, j'ai fait de la plongée bouteille, ensuite de l'apnée, et je fais les deux, et j'adore les deux. C'est des sensations qui sont complètement différentes. Mais par rapport à ce que tu disais sur cet imaginaire de fusion, effectivement, quand on est en plongée bouteille, on n'a pas le même ressenti par rapport à la pression hydrostatique, puisqu'on a autant d'air qu'on veut pour pouvoir compenser les volumes. Alors qu'en apnée pure, ben justement, ces volumes-là, ils rétrécissent, et donc on sent quand même nettement plus cette pression du milieu. Ce qui peut générer finalement hein, cette impression, cette sensation de fusion, de faire partie vraiment de ce tout. Et tout à l'heure, donc on a deux physiologistes parmi nous ce soir. Donc Frédéric avait évoqué le fait que l'apnée et les apnéistes sont des modèles finalement pour mieux comprendre la physiologie du corps humain, puisqu'il est soumis quand même à rude épreuve. Et on le disait, donc on est sur une soirée sport et science. Le sport peut apporter aussi à la science, et du coup les pratiques sportives comme ça peuvent aider à mieux connaître le corps humain. Alors récemment il y a eu un match de rugby, il y en a un peu tous les soirs, et le dernier match, je crois, de l'équipe de France, je crois qu'ils avaient des capteurs dans le dos pour enregistrer pas mal de données. Et alors du coup toi tu travailles, François, sur justement cette physiologie du plongeur bouteille et du corps humain. Est-ce qu'on a encore des micros? Oui. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette utilisation de l'immersion pour mieux comprendre la physiologie du corps humain? Alors, il y a l'immersion, mais il y a l'apnée aussi. C'est un des bons exemples qui est sorti de l'apnée, c'est tout un pan de recherche en ce moment sur les effets de l'oxygène et sur la façon dont fonctionne le ressenti de l'oxygène, qui est parti des apnéistes. En fait, il faut savoir que les sportifs entraînés ont des hématocrites qui sont plutôt bas parce que y a un volume de plasma qui est plus élevé. Donc c'est pour ça que les cyclistes à 50 et quelques hématocrites, c'est toujours un peu bizarre. Mais et les apnéistes quand même, les apnéistes de compétition, les apnéistes profonds sont de vrais athlètes. Et en faisant des mesures d'hématocrite, l'hématocrite c'est le ratio entre le volume de cellules dans le sang et puis le volume de liquide. En faisant des mesures de prélèvement sanguin, alors c'est une équipe italiano-belge qui a trouvé ça. Systématiquement, ils avaient des hématocrites élevés, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce que ces personnes-là sont des athlètes entraînés, comme je le disais. Et la première idée, c'est normal, c'est l'hypoxie. Sauf qu'un apnéiste profond n'est pas hypoxique. Enfin, je pense que Frédéric peut confirmer ça.
un apnéiste profond n'est pas hypoxique, il est au contraire hyperoxique. Donc normalement, il devrait avoir moins, besoin de moins de globules rouges, donc avoir un hématocrite plus bas que la normale. Ce qui était, et or, c'était l'inverse. Et en cherchant un petit peu, au final, ce qui s'est trouvé, c'est que les apnéistes montent et descendent, forcément, puisque de temps en temps, ils ont besoin d'un peu d'air. Et donc, ils enchaînent les périodes d'hyperoxie au fond, avec donc plus d'oxygène que la normale, et puis les périodes de ce qu'on appelle la norme oxy, c'est-à-dire une quantité d'oxygène normale. Et ça a donné l'idée d'aller voir ce que faisaient ces périodes pendant lesquelles on est soumis à des quantités d'oxygène plus élevées que la normale, de façon répétée. Et en creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'en fait, l'organisme percevait de la même manière le retour d'une quantité plus élevée d'oxygène à une quantité normale que celui d'une quantité normale à celui d'une hypoxie. En clair, respirer de l'oxygène pur 30 minutes de temps en temps avait le même effet que de partir faire un séjour en montagne en hypoxie. Et donc ça a donné lieu à... Déjà, ça a été une petite révolution dans le domaine. Et là, ça donne lieu à toute une série d'études et toute une série d'applications, aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine sportif. Et ça, c'est venu directement de l'apnée. Ça, c'est la connaissance de l'apnée, de la connaissance de la physiologie de l'apnée qui a permis de faire ça. Et là, on est complètement sorti du milieu de l'apnée. Donc oui, c'est un beau modèle qui peut servir à pas mal de choses parce que c'est un modèle extrême, un modèle de physiologie extrême. Frédéric, à ce sujet-là, est-ce que vous voulez intervenir? Ah oui, bah, je rejoins ce que dit François. Effectivement, c'est un bon modèle pour moi. Moi, je l'utilise à la fois chez le sportif pour mieux comprendre les adaptations des sportifs. Alors, ça peut être à l'altitude, mais pas que. Est-ce que, par exemple, je peux utiliser les techniques d'apnée pour améliorer la performance dans d'autres sports? On pense d'abord aux nageurs. Hein. On a testé ça chez le nageur et on s'aperçoit que ça fonctionne parce que vous vous rendez compte, si vous arrivez à pas respirer pendant un sprint, par exemple, sur 50 mètres, vous tournez pas la tête, donc vous changez pas votre coordination, donc vous gagnez du temps. Mais il faut être capable de le faire, surtout à cette intensité-là. Et ça permet de gagner quelques dixièmes ou centièmes de secondes, mais c'est suffisant à ce niveau-là, au niveau mondial ou international, pour gagner une médaille. Donc ça c'est intéressant. Il y a pas que la natation, hein. Il y a tout un tas d'autres sports où l'apnée peut être utilisée pour améliorer la performance et la préparation physique des nageurs ou des autres sportifs. Et puis il y a les applications dans le domaine médical. Effectivement, alors il y a plein d'applications qui sont liées au manque d'oxygène, à la résistance au manque d'oxygène, finalement, donc à l'hypoxie. Nous, par exemple, on travaille sur des applications dans un domaine un peu complètement différent, dans l'obésité, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que l'hypoxie, ça régule tout un tas de voies. Ça intervient dans la régulation de certaines voies métaboliques, comme la glycémie, par exemple, par tout un tas de mécanismes. Et donc, on s'aperçoit que quand on fait respirer, alors pas qu'on va pas mettre des obèses en apnée, on n'en est pas encore là, mais on transfère ces connaissances au manque d'oxygène. Quand on soumet quelqu'un qui a de l'obésité au manque d'oxygène, à condition de bien contrôler la dose, ça fonctionne. En fait, il améliore son métabolisme. Il a un meilleur métabolisme, il a moins d'hypertension, donc ça peut être une voie de traitement, par exemple. Voilà, donc ça peut servir de voie de traitement, ou alors ça peut servir simplement de meilleure compréhension à d'autres phénomènes, comme les gens qui font des malaises vagaux ou les gens qui font aussi des syncopes, mais qui sont pas liés au manque d'oxygène. Alors, on parlait tout à l'heure avec François aussi d'une étude qui a montré que la plongée bouteille et respirer sous l'eau, mais on en est venu à la conclusion que ça pouvait être pareil avec l'apnée. Et ça rejoint un peu ce que disait Frédéric sur le rythme cardiaque. On connaît les bienfaits de la cohérence cardiaque sur le corps humain, et aussi bien physique que mental. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce point-là? Ça, c'est l'utilisation de la plongée. Et je le connais beaucoup mieux pour la plongée
peut-être pour l'apnée, mais je ne sais pas si c'est le cas aussi pour l'apnée, c'est l'utilisation de la plongée comme activité physique, ce qu'on appelle l'activité physique adaptée, c'est une activité physique type médicament. Et en fait, la plongée, par son aspect apaisant, par son aspect d'immersion aussi, qui régule la fréquence cardiaque et qui régule tout ce qu'on appelle l'hémodynamique, c'est-à-dire la circulation du sang, les pressions artérielles, etc., peut avoir des effets bénéfiques, peut avoir des effets dans certaines pathologies ou certains traumatismes. Et l'utilisation de la plongée sous-marine, pas forcément à des profondeurs importantes, est de plus en plus utilisée pour soigner les stress post-traumatiques chez les militaires qui reviennent d'opération, par exemple. Ça, c'est de plus en plus étudié ces derniers temps. Et chaque étude enfonce un peu le clou et montre que ça semble être quelque chose d'efficace. Alors c'est vrai dans ce cas-là, c'est vrai aussi dans certains troubles du type autisme et autres troubles psychiques où il y a aussi des aspects d'apprentissage ventilatoire, on va dire, et de la plongée, même en piscine, dans quelques centimètres d'eau, dans quelques dizaines de centimètres d'eau, pour ce type de personnes, permet de mieux maîtriser, de mieux apprendre sa ventilation et a des effets bénéfiques qui sont de plus en plus reconnus pour ce type de population. Marie, tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet ? Je peux poser une question ? Bien sûr. Si elle n'est pas trop compliquée, oui. Non, elle ne sera pas trop compliquée. Non, mais parce que ça me fait penser à tous les exercices de pranayama, donc oui. tout le travail de respiration dans le yoga, qui est aussi utilisé en apnée. Et finalement, je me demandais simplement ce qui se jouait dans la plongée bouteille par rapport à du pranayama, par rapport à des respirations carrées ou rectangulaires. Est-ce qu'il y a un effet du milieu aquatique aussi, qui justement est là, enveloppe, peut sécuriser, peut rassurer? Ou c'est simplement le travail respiratoire? C'est possible pour le moment. Les seules choses qui ont été mesurées, on va dire, ou investiguées, c'est les résultats. Est-ce qu'on en est vraiment au balbutiement de ces aspects-là? Il y a eu beaucoup d'observations. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des personnes qui font de la plongée en dit dans la salle, mais on en a encore pas mal. Alors, c'est quelque chose qui a été observé, mais de manière... de temps en temps, c'est une expérience personnelle, mais sans que ça ait été montré de manière un peu rigoureuse par des études un peu contrôlées. Et on en est vraiment au début de ces études contrôlées. Et pour le moment, on en est à savoir si effectivement c'est quelque chose qui a un effet ou pas. Ça semble avoir un effet. Maintenant, à quoi est dû cet effet? C'est possible que ce soit dû à des effets de ce type-là. Mais la question reste ouverte. En tous les cas, je me permets de rebondir. On sait que l'apnée compte de plus en plus de pratiquantes et de pratiquants actuellement. Si on regarde au niveau de la Fédération des sports sous-marins, la FFE-SSM, on est à peu près à 25 000 licenciés. Et donc, c'est cette augmentation-là, quand on cherche un petit peu à la comprendre, quand on regarde du côté des motivations ou des motifs d'agir des pratiquants, la compétition, le dépassement de soi, c'est pas la priorité, c'est au contraire cette quête d'un bien-être, d'une détente, d'une respiration, d'un temps pour soi. C'est vraiment ce qui est recherché par les pratiquants et ça rejoint quelque part ce que tu pointes ici. Hein. Il y a certainement des pratiquants dans la salle, ou peut-être qu'en tout cas, s'il n'y en a pas, il y aura peut-être des pratiquants. Après vos interventions de ce soir et après avoir vu ce beau court-métrage Plongée en air marine protégée, donc réalisé par le collectif des Tempestaires. Alors merci vraiment à tous les trois d'avoir été avec nous en présentiel depuis Rouen. Et alors du coup, peut-être que parmi vous, certains souhaiteraient intervenir, poser des questions, apporter des compléments sur cette soirée. Alors je crois qu'il y a Tristan ou Gwenaël qui peut amener un petit micro au public qui est dans la salle. Je crois qu'il y a une question devant, Tristan. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'aurais une question par rapport à... Voilà, vous parlez de physiologie et du rôle de la rate, en fait. Puisqu'on sait que dans certaines ethnies, la rate est un petit peu plus développée, ou chez certaines personnes, pour pouvoir libérer justement... des globules rouges.
Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Sur l'apnée, ça va être Frédéric ou... Frédéric, vous avez entendu la question? Ouais. Chez les Badjo, c'est ça? Ouais. Oui, j'ai entendu. Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai entendu la question. Alors, effectivement, il y a un papier qui est sorti il y a quelques temps sur la rade des Badjao. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur la rate et le rôle incroyable de cette rate. Mais quand on regarde la littérature et qu'on fait des tests, on est un petit peu déçu en fait de la réalité. La réalité, c'est que la rate chez l'homme, nous, on est des mammifères terrestres, vous avez compris. La rate, c'est pas trop un réservoir, c'est plus un cimetière de globules rouges. Donc c'est vrai que si vous avez une rate un peu plus grosse, elle va relarguer un peu plus de sang, mais finalement ça va être un petit volume de sang, c'est 80 millilitres de sang en plus sur 5 ou 6 litres, c'est pas énorme. Et quand on va s'intéresser exactement à la masse en hémoglobine, là on s'aperçoit qu'il y a très peu de changements. Donc effectivement on peut avoir une rate plus grosse qui se contracte plus vite, mais parce qu'on a l'habitude de la stimuler tout simplement, et elle est plus grosse parce qu'on est dans l'eau, il y a un retour sanguin vers la rate qui fait que je pense que mécaniquement au bout d'un moment elle se dilate plus fréquemment, donc elle se distend ou elle a une capacité de distension plus grande. Mais les bénéfices réels sur l'apnée, sur les temps d'apnée qui avaient été évoqués par les Badjao, ils sont un peu imaginaires. D'ailleurs, dans l'étude sur les Badjao, c'est une étude qui a été publiée dans une grosse revue, hein, bien scientifique, dans Cell, pour ceux qui connaissent. Et il est dit que les Badjao descendent à plus de 80 mètres et restent 15-20 minutes sous l'eau. Moi, à ce moment-là, quand le papier est sorti, pour la petite histoire, j'étais en Indonésie, donc je discutais avec des pêcheurs sur place, et eux, ils m'ont expliqué qu'une fois par an, il y avait un concours, et ils descendaient avec une pierre, et c'était celui qui descendait plus profond. Et je dis, mais à combien vous descendez? Oui, ils disaient, ouais, 80, 100 mètres. Je dis, mais comment tu mesures? Bah, ils savaient pas. Je dis, mais combien de temps tu restes? Ouais, je dis, au moins 10 minutes. Et je dis, mais t'as une montre? Non, non. Donc, en fait, pour eux, c'est la sensation qu'ils ont, c'est que ça dure très longtemps, c'est probablement très profond, mais c'est un peu de la mythologie. Et l'effet réel de la rate, il est maintenant, on commence à revenir un petit peu dessus. Et par contre, s'il y a des biologistes marins spécialistes des cétacés, on sait que chez les mammifères marins, la rate joue un rôle assez important justement en tant que réservoir d'hémoglobine, puisqu'ils ne peuvent pas stocker l'oxygène dans les poumons, puisque les poumons sont complètement comprimés et que du coup... ça se passe, la rate joue un rôle plus important, mais c'était une question intéressante de savoir si les mécanismes étaient les mêmes chez l'être humain et si la rate, on a bien compris qu'elle ne joue pas tout à fait le même rôle chez eux que chez nous, mais parce qu'on n'est pas des mammifères marins. Une autre question, oui. Moi, c'est plutôt une remarque, en fait. Je pratique et l'apnée et la plongée bouteille, en fait. Par rapport au film, en fait, la sensation d'apnée, elle est un petit peu difficile à ressentir. Quand je parle de sensation, c'est la descente, la remontée, le fait d'aller vite ou pas, ça on l'a un peu, mais cette sensation d'être en apnée dans le film, je l'ai ressenti une fois quand on descend en fait. Et moi qui pratique beaucoup la descente dans l'apnée, que ce soit profond ou pas profond, en fait, elle fait intégralement partie du plaisir que je perçois et qui est lié à cette sensation de glisse qui a été un petit peu évoquée. Et justement, cette sensation d'aller pas très vite, aller parfois un peu plus vite, à ralentir, et qu'on n'a pas en bouteille, en fait. En bouteille, on est effectivement... Alors, vous disiez qu'on était bateau, un peu lourdeau. Je confirme, l'apnée, elle permet d'aller dans plein d'endroits. Par contre, dans le film, ce que vous remontrez très, très bien, en fait, c'est être sous la houle et qu'on va rarement chercher... jamais ou presque pas chercher en bouteille, parce que on est engoncé. Par contre, l'apnée peut permettre tout cette approche. C'était juste des petites remarques. Je pense que c'est intéressant, Marie, parce qu'on se rend compte vraiment du côté très personnel de la pratique de l'apnée. Est-ce qu'on va chercher finalement en s'immergeant, quoi? Oui, puis les pratiques de l'apnée sont très diverses, en fait. Là, vous parlez du coup de profonde, de descente, et on peut retrouver, en tous les cas, pour ma part, c'était ça, des sensations liées plutôt à de l'apnée statique, de ballottement dans le milieu aquatique. Et c'est vrai que
entre la profonde, la statique, la dynamique, donc c'est-à-dire nager à l'horizontale dans une piscine ou dans le milieu naturel, n'apporte pas finalement les mêmes sensations. On n'a pas les effets de la pression hydrostatique que l'on peut avoir quand on descend, comme vous y faites référence également. Donc c'est très divers. Ouais. Je pense qu'on pourra en parler très longtemps. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors les interventions appellent les interventions. Bonsoir, ma question, ce serait en quoi l'expérience un peu mentale et subjective qu'on a chacun influence la performance en fait qu'on fait en apnée, justement, comment ça peut permettre de tenir plus longtemps durant nos plongées. Alors, qui veut répondre? C'est délicat en fait, c'est pas évident de répondre. Alors je vais tenter et puis après je laisserai peut-être Frédéric aussi compléter. Parce que là aussi je donne la parole quand je m'exprime, je donne la parole aux apnéistes avec lesquels j'ai réalisé des entretiens dans les enquêtes que j'ai menées. Et finalement, ce qui ressort la plupart du temps, c'est que les meilleures performances entre guillemets ne sont pas réalisées dans les moments où on est concentré sur un objectif de performance. C'est justement dans les moments où on est sans pensée, sans attente, et où on laisse quelque part le milieu faire, que là, la performance va être plus aisée à réaliser. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que je veux dire, mais en fait, dans cette, quand on est... focalisé sur le dépassement de soi, le mur à atteindre, la plaquette à aller chercher, le chrono, le contron à atteindre, on n'est pas forcément du coup dans une pratique réalisée à l'aune de ses sensations corporelles, dans une pratique où on est dans un état un peu de no mind, enfin de quasi de méditation. Et dans ces moments-là, c'est beaucoup moins propice finalement à la réalisation de la performance. Voilà en tout cas pour mon regard. Mais alors, est-ce que du coup, je me permets d'intervenir, est-ce que la préparation mentale, c'est pas quelque part aussi se préparer à accepter cette immersion et ce contact avec le milieu, quand tu dis le laisser nous porter et le laisser faire et nous amener un peu. Un peu où il veut, quoi. Quelque part, c'est. Peut-être, on peut peut-être parler de préparation mentale. En tous les cas, il y a un travail mental, un travail de. Qui consiste finalement à être dans l'instant présent, quelque part, dans l'instant présent et dans l'acceptation aussi de quelque chose qui peut être imprévisible. Et c'est quelque chose qui est assez difficile finalement à trouver, hein, pour abandonner finalement nos réflexes et nos habitudes. Qui consiste à chercher à maîtriser, à dominer, à performer. Alors, Frédéric, en tant que pratiquant sportif, est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui, c'est un peu ce que dit Marie, effectivement, pour moi, l'apnée, c'est un moment de pause, mais moi, j'apparente ça à de la méditation. La méditation en mouvement, en fait. On ne cherche pas forcément à tout contrôler, on cherche à un petit peu lâcher prise. Et on sait que les pratiques méditatives, ça a été mesuré par exemple sur le cerveau de Guillaume Méry, par l'équipe du docteur Lorenz en Belgique. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les apnéistes de haut niveau, ils ont un cerveau qui ressemble au cerveau des méditants, ceux qui ont 10 000, 15 000 heures pratiques de méditation. Et on sait que ça transforme profondément le cerveau, et donc ça va agir sur toute la physiologie, ça a des conséquences sur la physiologie. Et notamment, on est peut-être plus performant sur la bradycardie, parce qu'on arrive à se relâcher et à se concentrer et à consommer très très peu d'oxygène, in fine, donc on va être plus efficace, on va dire. Je crois qu'il y avait peut-être une autre question en haut. Alors, il y en avait une autre, et peut-être après, aller en bas. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque, parce que on a parlé beaucoup des motivations des apnéistes. Vous nous avez parlé des compétitions et puis de la recherche d'un état un peu zen.
mais je pense qu'on, dans le coin, on ne peut pas trop parler d'apnée sans parler de chasse sous-marine. Moi, quand j'ai commencé l'apnée en début des années 2000, il y avait un club à Brest et c'était l'Agachon Tranquille. Voilà, c'est... Après, il y a eu plus tard, 5 ans plus tard, il y a eu le GMAP qui a ouvert une section plus loisirs dont on parle ce soir. Mais à l'époque, il y avait les trois quarts des... Quand il y avait des stages, c'était trois quarts des apnées, c'était des chasseurs. Oui, bien sûr. Et la commission d'apnée à la Fédération française d'études des sports sous-marins est créée en 2006 et se désolidarise quelque part de la commission chasse parce qu'il y a justement une demande de plus en plus forte pour une pratique non pas de chasse, mais d'apnée. Alors après, Frédéric, toi, t'es chasseur, visiblement. Je ne sais pas si tu veux compléter, intervenir. Oui, alors moi, je suis un peu des deux. Je suis aussi moniteur de plongée, mais je fais moins de plongée bouteille et de la chasse, c'est plus... Je n'ai jamais fait de compétition de chasse, par exemple. C'est plus une pratique loisir. Mais ce qui m'intéresse en chasse sous-marine, c'est faire de l'apnée, en fait. C'est de descendre et d'observer le poisson. Je ne tire pas toujours et je ne suis pas... un bon chasseur dans le sens où je ramène pas des tonnes et des tonnes de poissons, pas toujours. Mais effectivement, il y a l'apnée, c'est indissociable de la chasse et la chasse est indissociable de l'apnée. Et il y a derrière des pratiques culturelles qui sont très variables en fonction des zones. Nous, on a lancé un projet de recherche avec la Fondation de France où on compare les pratiques de pêche des chasseurs sous-marins entre le littoral français, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Et en fonction des zones, donc c'est une étude qui a commencé il y a 2 ans là, qui va durer encore 1 an ou 2 avec l'IRDL, le CNRS. Et en fonction des zones, on voit qu'on a des pratiques qui sont des pratiques culturelles qui sont vraiment et des rapports à la mer culturels et des croyances aussi qui sont complètement différents. Donc c'est pas que de la physiologie. Là je travaille avec des anthropologues, des sociologues aussi, et on essaye de croiser les regards justement de ces champs scientifiques pour essayer de comprendre ces pratiques-là en lien avec le réchauffement climatique, parce que c'est une population qui est pas très très bien connu malgré tout. On connaît les pêcheurs professionnels qui eux sont bien bien étudiés, mais les pêcheurs loisirs et qui en vivent pour certains dans le monde entier, hein, beaucoup de gens qui vivent sur le littoral, et pour certaines personnes c'est le seul moyen de vivre, la chasse sous-marine, hein, dans certaines contrées sur la planète. Et ben vous a pas échappé qu'il y a du réchauffement climatique, des changements, une pression anthropique qui est très forte, et donc des pratiques qui évoluent. Voilà, et c'est ce qu'on essaye d'étudier à travers ce projet qui, j'espère, va durer encore un petit peu. Oui, alors, une question pour tous les trois. Je ne sais pas dans quel ordre, mais d'abord, l'apnée est-elle une pratique tout public ou est-elle une pratique avec des classes sociales particulières? Si derrière, il y a un enjeu de démocratisation de la pratique et qui va passer par les enfants. Et justement, est-ce qu'il y a des limites en dessous desquels il faut mieux éviter? En particulier, est-ce qu'il y a des âges minimums auxquels commencer certains types de pratiques auprès des adolescents, voire plus bas? Je peux commencer sur les fameux bébés nageurs. Public, mais après, sur les contre-indications et autres, je vous laisserai. J'en profite juste pour dire, rappeler une chose, c'est que l'apnée, on ne la pratique jamais seule, parce que derrière, on va aller quand même sur un petit peu de sécurité, donc... à ne jamais pratiquer seul, ça peut être très dangereux parce que nos repères vont être faussés. Au niveau du recrutement social en apnée, je ne sais pas s'il y a des études récentes qui traitent de la question. En tous les cas, on est sur un public qui se rapproche de celui de la plongée bouteille, donc CSP, catégorie socio-professionnelle, plutôt moyenne à privilégier, avec peut-être une mixité un petit peu plus importante en apnée qu'en bouteille. Et un âge plus faible, peut-être, non? Et ça, je ne sais pas. Ouais. Parce que la plongée bouteille, c'est quand même plutôt pratiqué par des adultes autour de 40, la quarantaine. Quoi. Oui, mais en même temps, il y a une forme de... Oui. À partir de l'adolescence, effectivement, on commence à peut-être un petit peu plus l'apnée. Là, j'avoue que... J'ai mon joker, là.
Peut-être Frédéric a des éléments à communiquer sur ce sujet-là. Alors, sur la sociologie des apnistes, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. C'est un sport relativement jeune, avec une population relativement jeune, un peu plus qu'en plongée bouteille, qui peut se démocratiser facilement parce que du coup il y a un petit peu moins de matériel, donc ça coûte moins cher aussi. Et puis c'est un sport en constante évolution qui est en train de se professionnaliser, du moins sur le plan sportif. Et ça attire beaucoup les gens parce que maintenant on peut passer un BP, un brevet professionnel pour vivre de l'apnée, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça contribue tous ces petits changements, plus comme disait Marie, les vidéos un peu sur le plan artistique pour faire comprendre que l'apnée c'est pas que la compétition, hein, c'est essentiellement pas ça en fait. C'est de l'observation, c'est de l'aventure, c'est un sport bien-être. Qui peut être accessible à tout âge, excepté si on a une contre-indication médicale, bien sûr. Mais ça fait tout de même partie de ces pratiques dites... Enfin, en tous les cas, on peut rapprocher l'apnée de ces pratiques dites de conscience corporelle également, dont on sait aussi qu'elles sont plus pratiquées, même chose, hein, par certaines catégories sociales. Même s'il y a démocratisation, effectivement, il y a... une forte institutionnalisation, hein, de toute façon, de l'apnée depuis les années 2000. Je vous ai parlé de la commission apnée qui est créée en 2006. Depuis là, de janvier 2023, l'apnée est considérée aussi comme un sport de haut niveau. Et l'apnée s'est développée en se calant finalement sur le mode de fonctionnement de la plongée bouteille, hein, avec les niveaux, avec les cours théoriques qui suivent également. Donc on est sur une vraie institutionnalisation de la pratique, quoi. Et puis peut-être, comme le disait François, sur le développement de tout ce qui est autour de l'apnée, comme la pratique sportive adaptée. Ça, le côté un peu médicament. Oui, c'est ça. Peut-être, mais alors là, je ne sais pas, peut-être Marie et Frédéric, mais j'ai pas de notion d'étude qui s'intéresse à l'apnée pour, dans ce cadre-là, ou la plongée, parce que je m'y intéresse... J'ai suivi quelques études, j'ai suivi quelques articles pour l'apnée, je ne sais pas, ça c'est peut-être Marie. Pour l'apnée spécifiquement, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse au milieu aquatique et où on est donc en situation d'apesanteur, on sait que les possibilités motrices sont autres pour les individus et donc c'est un milieu très très favorable finalement à la construction d'une nouvelle forme d'autonomie pour les individus, notamment en cas de handicap moteur. Donc l'eau est utilisée dans ce sens-là, l'eau est utilisée aussi comme médiateur ou médiatrice par rapport à certaines pathologies. Mais voilà, c'est plus ici on parle plus des pratiques aquatiques au sens large que spécifiquement l'apnée ou la bouteille. En tout cas, on l'aura compris, c'est accessible à tous, à différents niveaux, et qu'on soit plutôt dans la pratique sportive ou plutôt à la recherche de bien-être ou une communion avec le milieu marin. Donc, c'est vraiment une pratique qui est extrêmement complexe et diversifiée et qui aura peut-être de nouveaux adeptes au sortir de cette soirée, et que chacun aura sa propre conception personnelle de ce qu'est d'aller s'immerger et d'aller à la rencontre de soi-même ou de ses propres limites. Et je voudrais juste ajouter que ce n'est pas une pratique individuelle et individualiste non plus, quoi. C'est une vraie pratique collective parce qu'on est dans le partage, dans cette activité, déjà parce qu'on ne pratique jamais seul, parce qu'on a toujours un ou une apnéiste de sécurité avec soi, parce que par rapport à... C'est un univers sensoriel qui est complètement différent aussi une fois qu'on est dans l'apnée, on l'a dit, hein, de par les adaptations physiologiques liées à la situation d'apnée et puis de par le milieu aquatique. Il y a toute une cartographie sensorielle nouvelle à créer. Et le partage des ressentis, le partage finalement de ce qu'on ressent, le fait de nommer et de socialiser quelque part des sensations complètement nouvelles qui font que quand on est débutant, ben on a tendance au bout d'une minute à sortir de l'eau parce qu'on a les spasmes du diaphragme, on a la glotte qui tend à se faire entendre un petit peu. Et donc ça, ce sont des signaux qui peuvent effrayer et qui finalement pourtant ne disent que quoi ? Que le fait qu'on est en train de démarrer une phase d'effort dans l'apnée, mais on est loin, loin de la rupture de l'apnée. Donc bref, tout ça pour dire que le collectif, il est important parce qu'on partage autour de ses ressentis et on donne du sens à ses ressentis. Il y a une vraie éducation sensorielle dans l'apnée.
Je pense que c'est sur cette idée de partage qu'on va clore cette soirée. Merci d'avoir du coup partagé vos expériences à tous les trois, vos remarques, vos expertises dans vos différentes disciplines. Merci également à vous tous d'avoir été là et d'avoir partagé vos remarques et vos questions. C'est vraiment l'ADN de la fête de la science que de partager en fait les sciences envers le public. Donc merci à tous pour cette soirée. Merci Frédéric. Encore merci aux Tempestaires, Axel et représenté par Axel et Ariel ce soir, de nous avoir permis de partager du coup cette belle œuvre qui était Plongée en aire marine protégée. Si vous voulez les retrouver, à Belle-Île, à la Maison du Littoral, c'est ça. Merci à tous, très bonne soirée. La prochaine conférence, je crois que c'est au mois de novembre, donc ce sera un sujet qui serait très très différent. Est-ce qu'il y a par hasard l'affiche qui se met sur le 21 novembre. Voilà, merci Tristan. Ça va nous parler de la pêche écologie. Donc, vous allez découvrir plein de choses sur la pêche avec Didier Gascuel, donc un spécialiste, justement directeur du pôle halieutique mer et littoral de l'Institut Agro Rennes-Angers. Donc, voilà, un sujet là aussi avec d'importants enjeux actuels. Et vous allez découvrir plein de choses. Donc, n'hésitez pas à venir le 21 novembre. Et bien sûr, tout le programme de la fête de la science que vous trouverez dans le beau programme à la sortie de cette conférence. Merci à tous et très bonne fin de soirée. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup.